Bonjour. Alors, je reviens voir vous aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai reçu dans le colis de Christelle, hein, suite à son concours. J'avais gagné le premier lot et j'ai reçu son colis. Alors, je l'ai déjà ouvert parce que j'ai plein de difficultés, plein de problèmes pour pouvoir vous filmer ça. Donc, après plein de déboires, hein, mon vieux téléphone fonctionne très très mal. Donc j'ai récupéré un vieux téléphone de mon mari qui fonctionne bien en tant que téléphone, mais alors pour filmer, c'est une catastrophe. On n'entend rien, c'est sombre, enfin bref, pas une belle résolution. Du coup, j'ai piqué celui de mon mari. Et puis bah là c'est quand même autre chose. Alors par contre, je vous filme d'une main et puis je vais vous montrer de l'autre. Donc déjà, bon, j'ai tout ouvert, hein, donc c'est vous aurez plus la surprise. L'effet de surprise, hein, de l'ouverture, hein. J'en suis désolée. Donc déjà, dans le colis, on avait cette petite carte de remerciement, très très mignonne, très jolie. Ensuite, une enveloppe bien garnie. Alors, avec des petits embellissements fleurs. Ensuite, j'ai des embellissements trop trop choupinous, des petits morceaux de tricot, c'est trop mignon pour garnir un album bébé ou même une petite carte, ben, c'est vraiment adorable. Ici, j'avais ouvert parce que je voulais savoir comment c'était fait à l'intérieur, bien sûr. Ceci, des petits embellissements enveloppe. Pareil, trop trop joli. Là, elle m'a mis une série de feuilles vintage sur le thème de la chanson. Trop joli aussi. C'est vraiment très vintage, mais c'est très très sympa. Voilà. Ensuite, il y a également des tamponnages. Celui-ci également. Celui-là pour la rentrée. Et le tout dans une très très belle enveloppe. Ensuite, il y a ce petit porte-crayon. Très sympa, très utile. J'avais également dans les petits cadeaux qu'elle a fait elle-même, hein, ça c'est des cadeaux fait main, ce sont ses petites créations. Cette petite boîte très très mignonne, très jolie, très bien faite, avec ce petit carnet, très joli aussi, fermé avec un petit ruban. Alors dedans, c'est des feuilles, c'est vierge. Hein. Donc, pour pouvoir noter des choses, garder des petits souvenirs. Une très jolie création. Je crois qu'elle a fait un tuto sur sa chaîne, il me semble. Et une petite boîte, toujours dans les cadeaux faits maison. Une petite boîte, une petite valisette remplie de petites choses à coller un peu partout. Très mignon. Une très jolie petite boîte avec une petite fleur en bois, de la dentelle. Voilà. Ensuite, j'ai ces perles. Il y en a énormément. Il y a également cet appareil pour projeter des gouttes qui me sera sûrement très utile en aquarelle. Encore un lot de perles, un tampon bois, ici un cutter rotatif, une série de petits yeux mobiles. Alors, il y a des gros yeux et des petits yeux.
là un applicateur pour l'encre, un ruban organza blanc, c'est pas là, non, le pas. Ici un doigt pour ne pas se brûler quand on fait de la colle chaude, un ruban de washi avec des perles. Des tampons, très très beaux tampons, un lot de lettres pour on peut l'utiliser sur des albums, des créations, c'est sympa ça. Ici des stickers pour du journaling, je vais voir vite fait comme ça. Un autre très coloré, très estival, un tampon, le joli tampon de chez Action, le petit éléphant, trop mignon, trop beau, un mini massicot, il est chouette ça quand on fait des petites cartes, ça suffit hein, un petit massicot comme ça, on n'a pas besoin de traîner le gros. C'est super bien. Un lot d'étiquettes. Un autre tampon très féminin également. Du papier. Dans les tons de rose, orange, jaune. Sympa. 170 grammes. C'est très bien. Des stickers très très féminins aussi. Ils sont très jolis. Du papier argenté autocollant. Ici un kit de broderie. Je ne sais pas trop comment ça marche. On va essayer, on va voir ça. Une explication sûrement dedans. Je regarde d'un peu plus près. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je vais découvrir ça. Peut-être avec vous. Je vais voir si je peux filmer. Ici, un gros pochoir. Alors là, je vois pas trop comment ça peut fonctionner. Je sais pas du tout. On va découvrir aussi ça. Des stickers. Il faut faire des cartes pour les enfants. Sur le thème Disney. Des stickers de chez Action. Ils sont très très beaux leurs stickers. Moi j'adore. J'ai du mal à résister quand j'en vois. J'en ai plein, plein, plein. Mais c'est vrai que j'ai du mal à résister à chaque fois que j'en vois des nouveaux. C'est plus fort que moi, il faut que je les prenne. Mais celui-ci, je ne l'avais pas. D'ailleurs, sur les trois que Christelle m'a mis, je n'en ai aucun. Voilà, un petit peu thème, un peu voyage. Je suis par terre. Hein. Je vous préviens là, je suis par terre. Alors j'ai mon chien qui est à côté de moi. Une chance, il ne vient pas voir ce que je fais. Voilà. Ici, un cahier de dessin. Et là. Un tapis de découpe format A4. Oui, format A4. Et le cahier de dessin que je vais vous montrer comme ça, vite fait. Il est super beau ce cahier.
je vous laisse découvrir. Il y a des très beaux textes. Voilà mon chien qui passe. Il va venir vous faire un petit coucou. C'est pas facile, hein, d'une main. Regardez cette chaussure, si elle est belle. Il faut que je tourne le cahier pour la caméra. Elle est très belle. J'adore. Ici, des étiquettes. Tu vas faire un câlin, Lutz? Lutz est très intéressé. Il va vous faire un petit bonjour. Il est sage pour le moment. Il fait rien. Juste des petits câlins à sa maîtresse. Et voilà. On va vous montrer Nutz. Hein, mon pépère? Nutz? Oh, mon loulou. Voilà. Nutz qui vous fait un petit coucou, qui vous dit au revoir, à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, je vous embrasse, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, profitez de vos journées, profitez de vos vacances si vous l'êtes. Et puis, oui, prenez soin de vous. Allez, avec Nutz, on vous fait des gros 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 bisous. Au revoir.